À l'instant zéro, c'est la maternité Pinard dans le 14e. Ah, j'ai plus rien. Ça existe. Première digression. Auguste Pinard, célèbre obstétricien, je suis désolé. Il existe donc 1957, le 9 novembre, je crois que c'était pendant la nuit, de parents comédiens à l'époque, comédiens de théâtre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le théâtre, c'est la grande époque, Villard, etc. Un certain esprit du théâtre. Donc ils sont en tournée, c'est un peu compliqué pour me voir. Je sais où j'ai été fabriqué, un soir de relâche, je peux moi-même montrer l'hôtel. C'est au square Montolon, je dis ça pour vous, ça peut vous faire des souvenirs, c'est privé. Et alors, ça, c'est l'origine sociale. Du côté de ma maman, mes grands-parents maternels étaient coloniaux, je suis désolé de le dire. Mon grand-père était chef de gare à Bamako, du temps de l'Afrique française, puis après a tenu un hôtel-restaurant en Touraine. Du côté de mon papa, après avoir été comédien, il a fini prof de lettres, directeur d'Eurocentre, c'est pareil aussi, c'était sur le français, la culture, puis prof de lettres. Et sinon, ma grand-mère était femme au foyer, mon grand-père suisse était employé de banque, son grand-père était militaire. Il nous manque qu'un chocolatier. Ah non, si, j'ai un arrière-grand-père horloger. Il faut dire que côté suisse, on travaillait le poncif. Et puis après, ben voilà, j'ai les origines. Si vous voulez tout savoir, le siège de la famille Oppel, c'est Opole en Silésie, en Pologne, du temps du roi de Prusse. Ah oui, j'ai vu des photos, c'est sinistre. Hein, donc, c'est vraiment la Silésie, c'est la Roure en moins gai, pour donner l'idée. Je suis parisien de souche depuis la maternité Pinard du 14e. Et après, entre le quartier Voltaire, l'île Saint-Louis, et le quartier Alésia, et puis après, maintenant, je suis donc en terre nogentaise, dans le 9-4, depuis 1988. Mais sinon, je suis francilien, voilà, on va dire ça.